Allez, on y retourne. Donc, on a bien avancé. On a bien avancé dans l'épisode juste avant. Ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais aller chercher de l'eau. Voilà. En termes d'énergie, on a 26,30 de dispo. Mais, il va falloir qu'on aille explorer un petit peu. On avait lancé notre première fusée, je vous rappelle, dans l'épisode précédent. La biomasse évolue bien. Pression, chaleur, oxygène, on est bien. Phase suivante, lac. On est à 17,26% pour l'eau liquide. Ok, bon, ça, on a encore un petit peu de temps. Je vous propose d'aller explorer un peu. Il nous faut de l'oxygène. Je vais prendre 3 bouteilles d'oxygène. Et je vais prendre 2 bouteilles d'eau. Et on y va. On va retourner par là-bas. Parce qu'il me semble qu'au niveau de la carte, c'est ce qu'on avait dit hier. Je dois pouvoir couper et aller directement par là. Ici, là. Je pense. Allez, c'est parti, on va voir. Je dois pouvoir couper. Oh, mais il y a de l'eau, ça y est! Oh, excellent! Ça y est, ça commence à se remplir. Oh, c'est stylé! Ah, c'est stylé! Trop bien! Ah, ça c'est cool. Ça c'est très cool. Trop bien. Cool. Oui, j'ai lancé la fusée. Il faisait tout noir parce qu'on n'avait plus suffisamment d'électricité. Mais on a fait notre, notre générateur. Donc on était bon. Et c'était très cool. Ah, c'est chouette qu'il y ait de l'eau et tout. Attends. Déconstruire, oui. Ah, c'est cool. On a enfin de l'eau dans le jeu. Excellent. Ah, voyons voir. Tout ça, je l'avais un peu déjà exploré. Du coup, je suis par là. Apparemment, je dois être par là. Et normalement, j'ai pas dû aller au fond. Je crois que je suis pas allé par ici. Je sais que ça, je l'ai fait. Tout ça, je l'ai exploré. Mais j'avais pas pu grimper ici. Peut-être qu'avec le jetpack, je peux. Regarde là, ici, là. Il y a quoi par là? Rien. Ah si, peut-être, regarde. Peut-être que si. Je sais pas, ça se trouve, je sors des limites du jeu. Ça paraît quand même bizarre, visuellement. Est-ce que je suis pas un tout petit peu en train de sortir des limites? Moi, je pense que si. Ah, ou pas, hein. Ouais, si, j'ai l'impression que le jeu veut pas que j'aille par là. Hein. Je fais attention à mon oxygène aussi, qui baisse drastiquement vite. De toute façon, quand j'ai pas de ressources sur le sol, c'est que le jeu veut pas que j'aille par là. De toute façon. Ah, tiens, pas un petit renfoncement là? C'est quoi ça? Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, à tous les coups, c'est le. C'est un passage pour aller là où j'étais hier. Impossible de déconstruire quelque chose à l'intérieur. Oui, je sais. Ah, mais oui, c'est sûr. Ok. Oh, c'est quoi ça? Je l'ai pas, ça. Incroyable! Uranium. Ah, mais j'en avais pas récupéré de l'uranium. Ok, alors attendez. Attendez. Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une bouteille d'oxygène et on va créer une base ici. Bah, il y a ceux qui partent. Pas de magnésium, c'est du silicium qu'il me faut. On va créer un petit truc ici, ça va être simple comme ça, on pourra relier facilement les deux bases. Je crois qu'il y a tout ce qu'il faut d'ailleurs. Donc, c'est pas mal du tout. Habitacle, oui. Je vais me faire un habitacle ici. Ensuite, il me faut une puerta et un petit peu de titane. Ok, ça super. Porte là. Ok, super. Je vais déconstruire ça. Voilà. On va mettre à ce moment-là un casier ici qui pourrait être pas mal pour stocker quelques trucs. Indice de terraformation qui augmente bien. Je vais faire un casier. Voilà, et je vais stocker tous les petits trucs que j'ai là. Enfin, on reviendra chercher ça plus tard. Il me faudrait à ce moment-là un établi, fer et silicium. On va faire un établi. C'est du fer ça? Non. Ça va où ça? Si, si, c'est ça, hein, c'est le passage d'hier. Hein. Fer et silicium, c'est bon. Du coup, je vais prendre également un peu de cobalt qui me donnera de l'oxygène si jamais. Le truc, c'est que je me vois pas, je sais pas où je suis sur la map. Je pense qu'il faudra que je débloque certaines choses pour pouvoir me voir sur la map. Parce que là, actuellement... Ah, si, si, j'ai réussi à... Si, si, c'est bien ça. Hein. C'est bien la zone où on était à peu près hier. Hein. Excellent. On a réussi à trouver un petit raccourci. Bon, j'ai pas de glace pour faire de l'eau, mais j'ai au moins quelques petites ressources intéressantes. Ah, c'est ça, c'est exactement là où on était hier. Bon, bah parfait, très bien. C'est pas prévu, Sirène, c'est pas prévu. C'est pas prévu. Ça m'intéresse pas plus que ça. Alors ça, je prends... Non, ça m'intéresse pas. Je t'avoue que voilà. Ouais, c'est là où on était décédé hier. Attends, je vais récupérer un max de trucs. Oui, je sais. Je vais quand même garder de quoi fabriquer en partant d'ici. Il me faut 2 fers, 3 fers, 2 titanes et 1 cobalt. 3 fers, 2 titanes et 1 cobalt. Ok. Attends. Donc on a dit 3 fers, 2 titanes et 1 cobalt. Comme ça au moins j'ai ce qu'il faut pour construire une prochaine station en partant d'ici. Ce qui sera très bien. Y'a quoi là-dedans? Attends, l'uranium. En point on a construit un truc près de la poche d'uranium. Donc ça c'est bien. On va avancer par là. On va arriver dans l'endroit où il fait tout noir. Qui était par là. Je crois que c'est ici là où on a les fameuses ressources. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. On va faire pareil, on va reconstruire un endroit ici, un bloc de survie. Comme ça on pourra faire des bonds d'un endroit à l'autre. Et on peut enfin avancer dans notre truc. Là, le ciel va nous tomber dessus. Je crois que c'est par là. Hein. Ah peut-être pas, c'était encore après. Ça doit être encore après. Ah, c'est là. Ok, c'est ici. Ok. Bon, je sais pas encore ce que je peux faire avec certaines ressources que j'ai trouvées. On verra. Pour l'instant, j'ai pas tout débloqué. On dirait que t'es sous l'eau. Non, c'est le jetpack que j'utilise là. Mais c'est vrai qu'on dirait un peu. C'est vrai. Ouf, oh, la violence de l'apparition. S'il te plaît. Je vais en mettre un là à ce moment-là. Regarde, mon petit module. Voilà, et la puerta... Ah, il manque du silicium. Sérieux? Bah ouais. Ah, j'ai oublié le silicium. Bon, attends, magnésium, je prends. Silicium. Et bah voilà, il suffit de demander. C'est tout. Voilà, j'ai envie de te dire. Voilà, c'est tout. Tu demandes, tu as. Donc. Ça, c'est pour les bouteilles d'oxygène. J'en ai pas besoin là. Je vais me balader un peu. Maintenant qu'on peut se balader tranquillement, c'est plus simple. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire peut-être une autre base au cas où. Je vais récupérer les trucs qu'il nous faut. Tiens, là j'en ai un. Ça m'intéresse. L'osmium. Passage sur la lune. Yes. T'as vu? Mais c'est violent quand même. Hein. C'est quand même violent le passage de l'un à l'autre. Hein. Tiens, titane. Super. Aluminium, il m'en faut de toute façon. Titane, j'en ai plus besoin. Aluminium. Ouais, c'est l'alu qui nous manquait. C'était de l'alu qui nous manquait. Tu sais, regarde, c'est amusant ce côté. Tu changes d'endroit. Donc, ah, super, il y en a un là. Ça, c'est intéressant pour nous. Je sais pas encore ce que je peux faire avec, mais je sais que c'est apparemment c'est une ressource qui est assez rare. Oh, c'est quoi ça? Oh, incroyable! Incroyable! Waouh! Ok, alors attends. Incroyable. Il manque du fer. Incroyable cet endroit. Ok, du fer. Incroyable. La Mushroom River, la rivière aux champignons. Oh, c'est magnifique. À mon avis, c'est pas une bonne idée d'aller dedans. Ah si, je peux y aller. Le mec il tente vraiment. Ah, tiens, intéressant. Graines de courge. Alors, ration, je prends. Écoute, je vais prendre quelques trucs. Je vais tout prendre et on verra au fur et à mesure. À ce moment-là. Je vais le déconstruire tout de suite aussi. Et je vais aller le stocker là-bas. On va se faire nos stocks petit à petit. Ça sera pas mal du tout. Je suis sur PC là. Il tourne très bien sur Steam Deck. Mais là je suis sur PC. Là je suis sur PC. Il y a une faute dans le titre du stream? Ah ouais? Ah oui, Planète Crafter. Merci, effectivement. Attends. Bon, c'est sympa, Planète Crafter. Voilà, Planète Crafter. Merci, c'est gentil, Duka. Voilà, on est bon. Merci. Allez, je stocke tout ça. Voilà, comme ça, on est good. Et on peut continuer tranquillou. Je vais quand même garder le silicium, le titane, pour construire une base plus loin, si jamais. J'ai 18 minutes de retard. Désolé. Ah ouais, pff. Oh là là, Anna, je sais pas si on va réussir à te pardonner, Anna, hein, en vrai. Je sais pas. Hein. Écoute, faudra demander, on va demander à Lucifer et Duka qui sont en train de tenir le stream, là. Est-ce qu'on pardonne Anna pour ses 18 minutes de retard ou pas? Je suis pas sûr. Hein. Écoute, ça va pas être à moi de décider. Voilà, c'est pas moi qui décide. Ah, vraiment, on est en grosse hésitation, Anna, en vrai. Oh mais attends, oh il y a des trucs qui ont été construits ici. Oh c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? Clé des gardiens? Utilisée pour ouvrir un mécanisme? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais incroyable! Ok, je sais pas du tout ce que je viens de récupérer. Waouh. Attends, là on est vraiment dans un endroit assez mystérieux hein, pour le coup. Hein. Salut ceux qui débarquent, hello. Ah, nouveau coffre, cool. Ok. Incroyable cet endroit en vrai. Ah, je pense que c'est mon endroit préféré pour l'instant du jeu. Attends, il faudrait... Il pleut là? Je crois que c'est de la pluie que j'entends. Attends, je vais essayer de retourner voir l'endroit. C'est incroyable avec cet arbre au milieu là. Ah, c'est de la pluie ça. Ok, ma base elle est là, celle que j'ai mis, j'ai faite. J'ai fait une capture d'écran pour les chiffres. J'ai fait une capture d'écran, je me suis dit que ça serait vachement utile. Hein. Ouais. Je m'en doutais. Attends. Il y a un bruit là. Ah ça, ça fait plaisir. Ouais, il doit pleuvoir je pense. C'est quoi ça? C'est une porte? Mais c'est un délire cet endroit. C'est une porte ça. Attends, est-ce que la porte elle était pas ouverte quand c'était sur... Ah tiens, regarde. Oh là là, mais quel kiff ce jeu, c'est de mieux en mieux. Mais c'est incroyable. Oh là là, mais j'espérais tellement qu'il y allait avoir des trucs comme ça. Oh, je kiffe. Alors là, pour le coup, je m'attendais pas du tout à ça. Waouh. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Lire le message. Après toutes ces années, toutes ces souffrances, nous avons décidé de quitter notre terre natale. Partir le plus loin possible pour construire un nouveau foyer loin de la terreur. C'est incroyable cet endroit. Ah, c'est des archives. Hein. J'ai été frappé par notre similarité. Il nous semblait presque comme deux gouttes d'eau. Incroyable. Oh, c'est quoi? Encore une porte? Ah, il y a encore des chiffres ici. Attends, je vais les noter aussi. Hop là, capture d'écran. Boum. Okay. Non mais ce jeu est de mieux en mieux, c'est incroyable en vrai. Je sais absolument pas où je vais mais j'y vais. Incroyable. Attends, j'ai peur de, si je tombe, qu'est-ce qui se passe? Ah, on va aller voir, vas-y, on va aller voir. Ah, bah du coup non. Et bah fallait pas tomber, apparemment. Bon, apparemment il fallait pas descendre. Ah mais c'est un vaisseau spatial ça, clairement. C'est clairement un vaisseau. C'est clairement un vaisseau spatial ça. Je vais aller récupérer le matos que j'ai dû faire tomber, du coup. Rassure-moi, ça a mis ma caisse sur le bord, là. Ah bah non, j'avais rien de toute façon sur moi, ok. Alors, je sais pas comment on pourra y accéder. Je suis même pas sûr qu'on puisse y accéder. Si, il y a forcément une méthode pour y accéder. Genre par là-bas ou... Oh, incroyable! Incroyable! Ok. Ouais, il y a forcément une manière... Alors moi déjà qui aimais ce jeu, mais alors là... Attends, je vais récupérer ça du coup. Ah je peux pas, ok, une fois qu'elle a été utilisée je peux pas la reprendre. Non mais ce jeu est de mieux en mieux, c'est une folie. J'espérais qu'il allait avoir ce genre de choses, ça me paraissait étonnant qu'il n'y en ait pas. Parce qu'il y a tellement de possibilités... avec ce genre de titre. Okay, on va faire le tour par l'extérieur et on va essayer de voir un peu ce qu'on peut trouver. Parce que doit peut-être y avoir des coffres dorés aussi qui sont cachés et qui sont planqués. Je veux bien faire le tour. Je pense qu'on est vraiment dans un, juste dans une caverne bien planquée. Je fais attention à mon oxygène aussi. Et j'irai vers le centre après, à ce moment-là. Ah, je peux ressortir par là, apparemment. Ah, tiens. Non, c'est quoi ça? C'est juste du cobalt? C'est juste du cobalt. Attends, je peux ressortir ici. Ça ressort où, ça? Je suis où? Oula, c'était quoi ça? J'ai vu une lumière. Je sais pas où je suis. Écoute, je pense que le plus intelligent, déjà... ça va être de faire un... Attends. Un habitacle ici. Voilà. Je vais assurer mes arrières. Et je récupère de quoi en refaire. Ok, il faudra juste du silicium en plus et on est bon. Là. Ok. Je vais terminer... Ah ouais. Oh, attends. C'est à moi ça là-bas? Ah d'accord. Vraiment la grotte elle est juste... Ok. D'accord, ok, je viens de capter. Ok, je pensais que j'étais beaucoup plus loin que ça. Bon, je termine le tour. Et on voit un peu. Ok, bon, de toute façon, il y a forcément autre chose à ouvrir ailleurs avec les codes qu'on a récupérés là. Qu'est-ce qu'il y a par ici ? Ok, je devrais bientôt avoir fait le tour, non? Ah, c'est vraiment juste une grosse caverne. Hein. Ok. Ok, ok, ok. Bon. Ça, c'est fait. Je vais en profiter à ce moment-là. Je vais prendre ça, ça, et je vais prendre ça avec moi. Je ne vais rien dire. Ah non, non, ne dites rien, ne dites rien, ne dites rien, ne dites rien, ne dites rien. Par contre, au niveau de l'eau, il me reste une bouteille. Ah non, laissez-moi découvrir. C'est ça la beauté du jeu. Ah, attends, j'ai un deuxième arbre là. Est-ce que c'est... Ah, non, ça c'est celui où je l'ai récupéré tout à l'heure. Après, peut-être que... Eh non. Moins 64, 40, 97. Ah, c'est pas des... Ça doit être des coordonnées. Ça doit être des coordonnées. C'est des coordonnées. Ok, je les vois en bas à gauche de l'écran. C'est des coordonnées. Ok. Je les voyais pas en bas de la gauche de l'écran, je viens de les capter. Je les avais même pas vus avant. Ok. Ok, 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 ok. Je viens de capter les coordonnées. Moins 464. Moins 40, 97. Je sais pas s'il y a d'autres angles de vue, je crois pas. Hein. Attends, il y a un arbre ici encore. Bon, j'ai plus d'eau. Donc là, ça va être une galère. Faire attention. Écoutez, je vais ressortir. Ah, tiens. Bah, j'allais dire, j'allais sortir. Alors, ça m'intéresse. Je vais prendre les deux qui sont là et le reste je vais le laisser pour l'instant. Je vais ressortir d'ici. Ah, c'est un kiff. C'est un gros kiff. Donc du coup on a dit... Attends, je sais que j'ai mes deux captures d'écran, je les ai fait, c'était plus simple. Je vais les noter à ce moment-là. Attends, je vais me les noter sur un petit truc de notes à côté. Notes. Donc on a dit... 964, 68, 174, 4. Et l'autre, c'était moins 464, moins 40, 97. Ok, c'est noté. C'est noté, Bernard, c'est noté. Je me les mets là. Hop là, c'est noté. Donc... Question. Je vais voir où j'en suis à peu près. Je vais monter par ici. De toute façon, là, je suis en train d'aller dans le mauvais sens. Si je veux vraiment aller checker quelque chose... De... Tiens, il y a un morceau de vaisseau là-bas que j'ai peut-être pas vu. Ah, il y a le gros vaisseau là-bas aussi. Attends. Je vais voir ce qu'il y a ici. Ah, ça, j'avais construit. Ah, mais j'arrive de ce côté-là. Attends, c'est quoi là? Ah non, je suis jamais allé là. Oh là là, je suis jamais allé là. Non, je suis jamais allé ici. Bah si, j'étais sorti par une caverne. Si. Bye Lucas. Ouais, il y a le stream du Summer Game Fest ce soir, si tu veux. Je vais aller voir ça là-bas, là. Là, ici. Je vais aller voir ce que c'est. Et après, j'irai aux coordonnées à ce moment-là qu'on m'a donné. Ouais, je pense pas que j'y sois déjà allé par ici. Je suis pas sûr. Faut que je fasse attention aussi à l'eau, parce que j'ai plus d'eau. Ça peut être un peu problématique. Ah, attends. Ration spatiale, ça m'intéresse. Soufre. Le reste, je le laisse. Ah, c'est pas là que je trouvais de l'eau. Hein. Sauf de nuit, peut-être, à la limite. Peut-être qu'il y a des formations de glace qui vont se faire. Je suis jamais venu ici. Ah si, peut-être. C'est pas une de mes cabanes, ça? Devant? Peut-être. Oh, attends. Qu'est-ce qu'on a à gauche? C'est pas une caverne qui s'ouvre? Non. Oh, un coffre doré. Ah, excellent. Voilà ce qu'on voulait. Ça, c'est bien. Alors. Ça, c'est bien. Du coup, maquette dorée, je prends évidemment. Graines dorées, oui, super alliage. Et le reste, on s'en bat les steaks. Ah, excellent. Bon, et ben c'est la quatrième que je trouve. C'est la quatrième que je trouve. Ça nous offre un petit objet à mettre dans la vitrine. Je crois que j'étais déjà venu, non? Oui, j'étais déjà venu ici. Oui, j'étais déjà venu. Ok. J'avais pas laissé de l'eau par hasard. Je vais retourner dans le vaisseau, peut-être qu'il y en a. Attends. Non, j'avais pas laissé d'eau, évidemment. Par contre, ça m'embêterait un petit peu de perdre des trucs. Voyons voir. Il me faudra un petit peu d'eau. Personne n'a de l'eau. Comment j'active ma lampe? Comment j'active ma lampe? Attends, je suis perdu là. Comment j'active ma lampe? Merde. Comment j'active... Ah voilà. Oh, dis donc. Je suis en train de chercher les touches. Ration, je prends. Non. Alors si j'ai des trucs ici, c'est que potentiellement, j'ai pas tout fait. Ok, ça c'est la sortie. Oh, attends, mais c'est F. Oui, non, mais je suis à la manette. Ah, je suis déjà venu ici. Je suis déjà venu. De toute façon, je suis déjà venu, mais je cherche de l'eau. J'aurais aimé trouver un. Je peux même pas ouvrir ces trucs-là. De soif au bout d'un moment. Ah, tiens, super, une petite puce. Ça m'intéresse. Super. Ok, on fait bien attention. Ok, bah tu vois, j'étais déjà venu, mais j'avais oublié la puce. Donc, mine de rien, c'est pas plus mal. Ah, cool, Clems. Attends, bah tu sais quoi? Merci, je vais le noter, je l'avais pas vu. Attends, je le note donc, pour le Gaming News de demain. Merci. Ok, merci. Je le mets pour demain. Il est gratuit jusqu'à quand? Je me le note pour le Gaming News pour être sûr de pouvoir en parler. Merci, c'est gentil. Elle est un peu petite cette torche, ouais. Jusqu'au 20, ok, merci. Ah, attends, je peux enlever ça? Si je peux déconstruire ça, il y a peut-être un truc dessous. Non, ah, si, là. Oui, alors... tu sais quoi, à la limite, je me casse le titane. Et je prends l'uranium et le soufre. Ah, de l'eau! Ah, de l'eau! Attends. Oh, excellent. Eh ben, écoute, super. Bon, du coup, je peux me dégager et le faire. Ok, super. Bon, bah écoute, on a trouvé de l'eau. Donc c'est très bien. On va pouvoir continuer. Qu'est-ce qu'on a ici? Non, c'est là où on était, ça. Non, c'est pas là où on était. Pas du tout. C'en a une autre. C'est une autre salle. Ouais, elle est un petit peu petite... Alors, l'oxygène, j'ai ce qu'il faut. Oui, elle est un peu petite, cette torche. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Pas très pratique. Ok, merci quand même, gentil. Attends, je le verrai sur l'Epic Games Store de toute manière, mais au moins j'ai l'info. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a par ici? Ah, il y a des trucs derrière là. Je peux peut-être pas y aller. Ah si. Ah non. Ah bah ça a déconstruit derrière, mais par contre je peux pas ouvrir. C'est chelou. Ouvrez-moi cette porte! Ah, je peux pas. Ah punaise, c'est ça qu'il me faut. Ouais, ok. C'est parce que j'ai pas acheté la puce. Ah, combinaison spatiale. Ah, mais j'en ai plein des combinaisons spatiales. Oh, en vrai, attends, tu sais quoi, je vais me dégager. Attends, lâcher. Je vais prendre les combis parce que je pourrais les mettre dans la station, ça va être joli. Ça va être joli dans la station. Vas-y, je bois. Ah, super, une graine de l'Irma. Excellent. Madame l'Irma, venez là. Uranium, de l'eau, encore de l'eau. On aime l'eau. On aime l'eau. Super. Bon, très bien. Bon, ça m'arrange. J'ai trouvé une graine de l'Irma, s'il m'en fallait. Pour accroître le truc. Du coup. Merci, Père Noël. Merci. Merci pour ton cheers. Mais ça va très bien. Et merci, grâce à toi. Il y a, vu que tu as fait un cheers de 100, eh bien le boss du stream perd 100 points de vie. Merci à toi. C'était par ici ou de l'autre côté? Ouah, ah oui, d'accord, mais je peux même pas passer. En fait, il va me falloir les puces. Ok, donc il faudra les puces, faudra qu'on revienne quand on les aura. Et merci Clems aussi, qui fait perdre les points de vie au boss du stream et qui devient sub pour le 25e mois d'affilée. Merci beaucoup Clem. Merci à toi. Merci d'aider la chaîne. Est-ce que j'ai quelque chose par ici? Non. J'adore le Père Super Noël. Bah oui, c'est amusant d'avoir quelqu'un qui a ce pseudo-là. Mais c'est classe le Père Noël qui regarde le stream, tu te rends compte? Tu te rends compte comme c'est classe? Alors. Attends, je vais aller voir par ici. Ah là, je peux pas passer. On dirait Alien. C'est vrai que quand on est dans les vaisseaux, on dirait un peu. Bon, bah écoute, de toute façon, je pourrais pas récupérer beaucoup plus de choses ici. Ok. Bon. Et puis là, ça va être compliqué. Il faudrait qu'on retourne à la base. Il faudrait que je retourne à la base et que je fasse l'aller-retour. On est où? On est là. La base est au nord. Ok. Vas-y, let's go. On va essayer de faire l'aller-retour. J'espère que le Père Noël donne des cadeaux aussi. Bah écoute, il a fait un cheers déjà, le Père Noël. Donc oui, merci beaucoup à lui. Comment tu ouvres la carte? Il faut la débloquer. Il faut envoyer un satellite pour pouvoir débloquer la carte. Il faut envoyer un satellite dans l'espace pour pouvoir débloquer la carte. Ah, tu l'as? Bah, sur la manette, moi, c'est le bouton de gauche, là, celui-là. Celui-là. Là. Voilà. T'as envoyé le satellite de... du truc? Ouais, bah, j'arrive à me repérer parce que, du coup, je vois à peu près où est le perso. Oui, je joue manette sur le jeu, ouais. Je trouve que c'est mieux pour celui-là. Ouais, j'arrive à me repérer à peu près là sur la planète, j'arrive à comprendre comment elle est fichue. Donc on est plutôt pas mal. Je crois que là il y avait un truc en bas. Juste checker. Non. Bon, toute façon je pourrais revenir par ici. Et il faudra qu'on aille aux coordonnées aussi qui nous ont été données. Mais sinon pour ouvrir la map je sais pas trop. Sur le clavier je sais pas. Si quelqu'un sait, n'hésitez pas. Allez, c'est parti. Et on avait notre raccourci aussi, je crois. Je sais plus où il était, ce fameux raccourci. Hop là, changement. Ça, franchement, ça me fume. À chaque fois qu'on passe ici, j'arrive pas à m'y faire. Hein. Je n'arrive pas à m'y faire à ce changement. Voilà, lui. Ah, oh, il y a un coffre, il y a un coffre. D'accord, bah très bien, merci de l'avoir vu à travers. Qu'est-ce qu'on a? Rien d'intéressant. Et bah super, voilà. Bah merci au jeu de passer à travers certaines textures, ça m'arrange. Ça m'arrange bien. Je déteste ça, ça me donne l'impression de voir tout noir et blanc. Moi j'adore. J'adore. Ah, punaise, ah ça il me le faut, attends. J'ai pas un truc que je peux dégager? Si, t'as regarde. Le fer, je le dégage et je prends ça à la place. Voilà. Bah quand il joue à la manette, je pense que c'est impossible de revenir en arrière pour la jouabilité sur celui-ci, ouais. Bah je pense qu'il a été conçu aussi pour être joué à la manette, hein, celui-là, non? Non, si je vais là, je pourrais pas revenir. Je pense qu'il a été conçu pour ça, celui-ci, en vrai, tu vois. C'était pas par là, le petit passage? Ouais, je sais plus où est le passage, punaise. Tant pis. Et ouais, sur Steam Deck, il tourne très très bien aussi. C'est vraiment chouette d'y jouer sur Steam Deck. J'avais pas mal avancé dessus. Ah oui, j'avais laissé tout ça. Ah, écoute, l'uranium à ce moment-là... Non, vas-y, j'y vais comme ça. Je laisse tout ça là. De toute façon, je reviens, je repasserai par ici. Je sais pas du tout pour l'ouverture de la map. Je sais pas, ça doit être ça. Attends, attends, bouge pas. Ou pas? Ouais, c'est ça. Oh, ça va, j'ai pas cherché longtemps en plus. Tu plaisantes, j'ai pas cherché longtemps. Tu plaisantes? Tu plaisantes, il m'a fallu 3 secondes pour trouver. C'est la touche pour l'interrogation. Attends, attends, s'il te plaît. C'est la touche pour l'interrogation, Flo. Mais attends, c'est pas possible que je la trouve aussi vite et que tu galères à la trouver. C'est toujours dans ces zones-là en plus, la map. Bah j'ai tapé sur M en premier, oui, pour voir si c'était pas ça. Et du coup, c'est la touche pour l'interrogation. J'ai fait toutes les lettres. Non, les maps, la map en général, c'est souvent dans ces zones-là, ouais. Ah bah il est là le petit passage secret, tu vois? Regarde, notre petit passage. Le voilà. À dire un peu No Man's Sky. Alors c'est plutôt Subnautica, mais version... c'est plutôt du côté de Subnautica version... Quand ça s'appelle version Mars. C'est Subnautica sur Mars, en gros. Bah, si tu veux vraiment, si tu veux vraiment un comparo, c'est Subnautica sur Mars. Vraiment. Voilà. Et si tu veux que je leur dise une 5e fois, c'est Subnautica sur Mars. Parce que je me suis rendu compte que je m'étais beaucoup répété, donc voilà. Oh, c'est quoi ici? Qu'est-ce qu'on a? Oh, mais qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a encore une caverne avec... Ok, 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 ok. Oh, il y a une graine de l'Irma dedans. Tu sais quoi, je laisse l'osmium. Ah, le granulé de bioplastique, je veux aussi. Tu sais quoi, regarde. Hop là. Et voilà, c'est très bien. Ok, super, bon. Je note pour celle-ci. Je me l'enregistre quelque part dans ma petite tête. Parce que j'ai planté des patates. On a planté beaucoup de choses, mais pas des patates. Qu'est-ce qu'il est bien ce film d'ailleurs. Ah, Seul sur Mars, il est incroyable. En vrai, j'ai dû le voir. J'ai dû le voir 4 fois, je pense. J'adore ce film. Vraiment. Ah, du coup, il pleut, du coup, l'eau augmente ici. Ça, c'est cool. T'as vraiment cette sensation d'eau qui grimpe. C'est vraiment cool. Pour le coup, ça, c'est chouette, tu vois. Heureusement que j'ai pas laissé ma base au fond, effectivement. Et effectivement. Allez, vas-y, je ramène tout ça à la base. Ah, on aura fait une bonne expédition de quasiment 40 minutes. Hein. Regarde-moi cette belle base là. Bon, on a tous fait la base à cet endroit là, ça m'étonnerait pas. C'est bah, finalement le plus simple quand t'arrives, quand tu débutes le jeu pour la base. Alors par contre il me faudra la puce d'extraction. Bah la 4 directement. Ah non, est-ce qu'il faut la 3? Après il faut la 2. J'ai que la 1 je crois. Non, c'est pas la puce d'extraction, c'est la puce de déconstruction 2. Zéolite et cartouche de méthane. Ah mais j'ai pas de cartouche de méthane. Je l'ai pas ça. Ça je ne l'ai pas. Alors par contre j'ai une micro-puce sur moi. On va aller l'utiliser tout de suite. Satellite 4. Ok. Alors à ce moment là ici je vais mettre ma petite maquette dorée. Ça commence à ressembler à quelque chose. Je suis désolé ça ressemble pas à une fusée. On est tous d'accord. Merci. Voilà. Je n'ai pas d'esprit mal placé. Mais bon on est d'accord que ça ressemble à tout sauf une fusée. Quoique une fusée a une forme phallique aussi. Donc bon. Graines de l'Irma, j'en ai deux. Combinaison spatiale, oui. Il me fallait... Il est où le truc? Oui, j'ai dû le fusée, bien sûr, évidemment. Évidemment, évidemment. Ce qui m'intéressait, c'était... Là, ça. Quartz, Casa et barre de super alliage, que je n'ai pas. Bon, je vais mettre ça dans les débris. Voilà, je mets tout ça dans les débris. Voilà. Zéolite, j'en ai pas. Alliage, oui. Je vais mettre la clé des gardiens, je vais la garder avec moi parce que je pense que ça nous servira. Uranium. Uranium, 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 uranium. Je l'ai mis par là. Uranium. Ok, et j'ai quoi? J'ai du soufre. J'ai de l'iridium et j'ai du quartz que je vais mettre. J'en ai pas mal de quartz en vrai, hein. C'est cool. Et l'osmium, l'osmium ici. Ok. Graine dorée. Je vais peut-être planter ma graine dorée quelque part. C'est très bizarre de dire ça comme ça. Fer. Ah oui, j'ai pas de glace. J'ai de la glace? Non, j'ai pas de glace. Parce que tout ce que j'avais en... Ah si. Ah, bah très bien. Fer, silicium, magnésium. Fer, silicium, magnésium et fer. Ok. Et à ce moment-là, je vais la mettre... la graine dorée, je vais la mettre là. Regarde. Ça, ça va bien faire augmenter le truc rapidement. Voilà, graine dorée, c'est très bien. C'est 300% en plus. Question. Il faudrait qu'on fasse un réacteur nucléaire de plus. Parce que ça va nous permettre d'aller plus vite aussi. Uranium, j'en avais récupéré une barre. Ok. Et les super alliages, il m'en faut 3. Bon, j'en ai récupéré pas mal. Donc ça, c'est bon. Et les bouteilles d'eau, donc c'est parfait. Voilà. On va aller se faire ça ici. Merde. Voilà. Boum. Parfait. Je me demande si je peux en faire un de plus d'ailleurs même. Je vais en faire un de plus tout de suite. Uranium. Je sais plus combien il m'en faut, je prends ça. On se fait une barre d'uranium. Il me fallait, on a dit, 2 bouteilles d'eau en plus. Des bouteilles d'eau, j'en ai fait suffisamment ici. Je suis très content de ma base, tu vois. Genre, je suis très content parce qu'en vrai, j'arrive bien à m'y repérer. Je trouve que tout est bien... Tout est bien rangé, trié, exactement comme dans Subnautica. Je kiffe ce genre de jeu où tu peux vraiment tout bien ranger et tout bien faire, tu vois. Je suis pas sûr d'avoir le sac T5 en fait, le plan. Je suis pas sûr de l'avoir. Je suis pas sûr d'avoir le plan du T5. Je suis pas sûr. Ah si, je l'ai. Super alliage 3 et titane 1. Ah si, je l'avais pas vu. Merci, c'est gentil, je l'avais pas vu. Je ne l'avais pas vu. Ben, c'est très gentil à toi, merci. Une de titane. Voilà. Ouais, effectivement, c'est quand même mieux. Merci, c'est gentil. Et bah ben, super. Le cobalt... Écoute, ce que je vais faire, j'ai plus besoin d'oxygène sur moi. Je vais quand même le garder. Non, cette fois-ci, je le ferai pas tomber, ouais, tu m'étonnes. Aluminium. Alors, attends, qu'est-ce qu'il me fallait? Il fallait que je fasse un truc de biomasse. Il me manquait des bouteilles d'eau. Oh, qu'est-ce que j'aime ce jeu, je suis tellement content de... Merci de me l'avoir conseillé, parce que j'ai vraiment failli passer à côté. Et vous m'avez poussé un petit peu à le faire, et qu'est-ce que vous avez eu raison. Merci à vous. Aluminium, bah, j'ai tout ce qu'il faut en vrai, tout ce qu'il faut sur moi. Ouais, vas-y, on y va. Je vais en mettre deux de plus par là. Voilà, parfait. Donc ça c'est bon. Il faudra que j'aille récupérer de la glace également, ça serait bien. On va se faire un stock de glace. On va se faire une petite expédition glace. Tout de suite même. Silicium. Oui, oui. Fer. Bouteille d'oxygène. J'ai encore de l'eau ou pas? J'en ai plus beaucoup. Hein. Ouais, j'en prends une, bah, j'ai plus de bouteille d'eau de toute façon. Nourriture. Oui. Voilà, je mangeais le deuxième. Hop là, comme ça on est bien. Je préfère suivre le jeu en stream que sur YouTube. Bah c'est normal, c'est normal, c'est normal. Après je mets toujours les épisodes en rediffusion sur la chaîne secondaire. Mais c'est normal, moi aussi, c'est normal de préférer le voir en stream. C'est normal. C'est encore autre chose quand t'es en rediffusion. Maintenant, coucou à ceux qui regardent en rediffusion. D'ailleurs, je suis désolé, je vais retirer ma caméra 2 secondes. Hop, parce que c'est en train de surchauffer. Mais voilà, c'est différent. C'est différent. Moi, j'aime bien... Attendez. Bon, vous savez quoi, je laisse le cadre comme ça, nos signals, le temps que ça se remette. C'est normal. Mais je suis content que certaines personnes regardent quand même les rediffusions. Ça me fait plaisir de voir qu'il y a des gens qui apprécient regarder ça un peu comme un épisode de Netflix, tu vois. Mais c'est pour ça que j'ai toujours fait cette chaîne secondaire, ça fait pas quelques années maintenant, ça fait quand même pas mal de temps que j'ai cette chaîne secondaire qui permet voilà, à tous ceux qui ne peuvent pas être en stream bah, d'en bénéficier et de pouvoir suivre comme ils le peuvent. C'est aussi, je pense que c'est important de penser à tout le monde. Moi j'adore streamer tous les jours. Mais je sais que, voilà, par le travail, je stream pas forcément à des heures, genre le soir à 21 h, quand tu peux forcément regarder les streams. Donc ça permet aussi de regarder... Ah mais, oh, attends, petite caverne, hein. Oh, incroyable. Ça permet aussi de regarder la rediff et puis de rattraper sur un stream d'après, tu vois. Ah, c'est pas encore fondu. Ça permet à ceux qui, voilà... Puis tu rattrapes sur le stream d'après. J'ai vu, ça me fait marrer parce que... Enfin, ça me fait sourire plus que marrer. Des gens qui m'envoient des messages sur la chaîne secondaire qui disent « Ah ça y est, je suis enfin à jour du let's play ». Ça me fait plaisir, c'est chouette. Hein. Ça me gêne pas de suivre de let's play de Mario sur la chaîne secondaire. Ouais, bah c'est différent aussi. C'est différent. Bah là, en stream, t'as vraiment le côté... t'as ce côté découverte qui est très chouette à vivre en live. Qui est pas identique aussi quand tu le vis en rediff. Donc je peux comprendre aussi... Ah, je vais me faire un bon gros stock de glace. Et merci de m'avoir fait penser au sac T5, hein, parce que là, en vrai, on va pouvoir se faire un bon stock. Ah, c'est bien en train de fondre en plus ici. Hein. Vraiment, je me dépêche d'en récupérer. Hop. Là, ça va déverrouiller des endroits, là, c'est sûr aussi. Il y a plein d'endroits qui vont pouvoir être accessibles. Regarde, cette caverne-là, je suis pas sûr qu'elle ait été dispo avant. On va aller voir. Je vais remettre ma caméra dans quelques instants. Ah, tu vois, ça c'était pas dispo avant ça ici. Je récupère la glace, mais à mon avis, il y aura peut-être autre chose au fond à choper. Genre même si c'est un coffre doré, ça se trouve quelque part. Ah, c'est vrai qu'effectivement, avec le sac en plus, c'est quand même carrément plus pratique. Ça devrait être bon pour la cam pour l'instant. Bon, en vrai, je pourrais la laisser plus longtemps. Niveau d'oxygène bas, oui. Ouais, il va falloir faire attention à l'oxygène quand même. Faire attention. Caméra. Voilà, c'est bon. Ah oui, attends, par contre, je l'ai tourné, je suis désolé. Dans l'autre sens. Voilà. Ouais, c'est assez embêtant pour moi la caméra là, je t'avoue. Mais je vais trouver une solution. Faut que je trouve une solution parce que c'est pas possible. C'est pas possible, ça n'arrête pas. Ah tiens, oh je suis sous l'eau là. Ah j'étais dans l'eau, ok. Ah bah voilà, j'ai pas des graines de l'Irma. Toujours pas. Ouais non, la caméra ça m'ennuie beaucoup ouais en ce moment. Oh non. Il faut que je trouve quelque chose qui permettrait de la... De pas la faire surchauffer, mais je sais pas quoi ni comment, donc je sais pas. Toujours pas de graines de l'Irma, dommage. Exactement, ouais. Il vient à la rescousse, oh putain, bah, allons-y. Oh la vache. Bon, de toute façon, je voulais juste me faire mon stock de glace pour le moment. Ok, bon, j'ai ce qu'il faut. Allez, let's go rentrer à la maison. Un petit inventaire USB juste pour l'appareil. Bah, en vrai... ouais, il me faudrait quasiment ça. Un petit ventilateur exprès pour la caméra, je sais pas. Faut que je cherche sur internet. Il doit y avoir des trucs qui permettent de rafraîchir une caméra ou un truc, parce que c'est pas normal. C'est pas normal que ça fasse ça. Bah après, vu la température dans le local aussi, quelque part c'est pas si étonnant que ça. Mais bon. Allez. Ah, attends, en termes de coordonnées, on en est où là? Attends, je check les coordonnées. J'avais un... Ah, 964, 68... Ah! J'avais un 964, 68, 174. Faudra que j'aille voir. On doit pas être très très loin en vrai. Ouais, on doit pas être très très loin. Ça doit être dans une caverne par là. Là qu'on aille voir. Ah ouais, c'est un véritable sauna en vrai. Bah là, avec... En fait, là ça va. Parce que bah, j'ai les fenêtres qui sont ouvertes, plus un humidificateur, plus un espèce de ventilateur. Mais quand il y aura la clim, ça sera mieux. Parce que bon... voilà. Alors, la glace c'est fait. Donc, l'eau... Attends, je vais en stocker déjà un peu. Voilà, on va faire de l'eau. Bon, je sais que je pourrais aller plus vite, mais je vais faire comme ça. Ok, je vais aller stocker ça ici, pif paf pouf. Ouais, très bien. Alors, moi je propose que... Alors attends, on a un indicateur d'information, on est où? 21,70. Je crois qu'il y a 30, on débloquait quelque chose ici, pour la biomasse. Putain, la pression elle monte bien. L'oxygène c'est pareil, la chaleur est bien, on est à combien ici? 30%. Regarde, 131 disponibles pour la production d'énergie, on est vraiment très très bon. Et bah écoutez, tu sais quoi, on va se manger un petit truc. Voilà, et on va se prendre... les haricots, c'est pas ouf. Tiens, on va prendre des champignons sur nous. Ok, alors je propose de... Je propose d'aller essayer de voir... La coordonnée, c'était 964. Donc 964. On est bon. Alors c'est pas dans ce sens là. Là c'est bon et... 174, c'est de l'autre côté de toute façon. En tout cas c'est par là-bas. Salut Néo, comment tu vas? Je peux dire une chose que je sais mais que tu as pas vu. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Si c'est pas trop un spoil, oui. Ok, ça va être par là. 964. Ton micro est dingue de prendre que ta voix est pas... Ouais, le micro est bien, ouais. Le micro est très très bien. Ok, 174, on y est presque. Attends, 964. Ah, j'y suis presque. 68. Sérieux? Attends. 174. C'est là-haut? C'est là-haut? Attends, il doit y avoir un truc là-haut. 964, 174 et 68. Quoi? C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. Ou alors avec un jetpack en plus, peut-être là-haut? Ça me paraît bizarre ce truc. Les coordonnées sont pas bons, Kevin. Ils sont pas bonnes là. Oui, je sais que c'est la hauteur, je sais bien. Et c'est pour ça que je te dis qu'en 68, il n'y avait rien au-dessus de moi. Il n'y avait rien au-dessus de moi en 74. Il n'y avait rien de tout au-dessus de moi. C'est ça qui me perturbe. Bon, bah je sais pas pour celui-là. Bah ça va Néo, bah ouais, ça fait un bout de temps qu'on t'a pas vu. Ça fait un petit moment. Ça fait plaisir de te voir sur le stream. Bon, de toute façon j'avais dit qu'il fallait que je fasse ma deuxième puce. La deuxième puce pour extraire des choses. Enfin pas extraire, démanteler. C'est ça que je voulais faire, il me manquait de la glace, je crois. C'est pour ça qu'on était parti normalement. Et bon rétablissement. Attends, non pas d'indice tant que je... Pas d'indice, c'est gentil. Non, 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 me spoilez pas. Ah, c'est la cartouche de méthane que j'ai pas, c'est ça. C'est pour ça. C'est pour ça que je pouvais pas y aller tout à l'heure. Je n'ai pas de cartouche de méthane. Hein. Et la cartouche de méthane... Bon, je vais trouver au fur et à mesure à mon avis... Je vais forcément trouver au fur et à mesure. En vrai... Je pense que ce vaisseau, je pense que j'y suis allé. Si, j'ai une petite cabane autour. Salut Nji. Si je vois là où en fait j'ai des petites cabanes à chaque fois. Donc est-ce qu'il y a des morceaux de vaisseau que j'ai pas vu? Non, je crois pas. Le prochain craft qu'on déverrouille, je sais pas trop le prochain craft qu'on déverrouille d'ailleurs. On va déverrouiller... Le récupérateur d'eau de lac, ici en terraformation. C'est à 50. Ah, c'est à 50, lâche. Ah bah attends, je vais peut-être essayer de faire de la... Je vais peut-être essayer vraiment de faire des plantes en plus. Hein. En vrai, je vais faire des plantes en plus pour accélérer un peu ça. Je vais accélérer ça. Je vais accélérer ça et on verra après à ce moment-là. Parce que j'ai pas mal de plantes là. Et j'y pense jamais. Mes graines. Non, passe pas les graines. Les plantes, regarde, j'en ai pas mal ici. Ouais. Je vais m'en occuper. Je vais faire ça déjà. Ok, je vais m'occuper de ça. Et ensuite, je vais voir. Donc, on a dit. Ah oui, mais si je les mets dehors, c'est mieux même. C'est pour ça qu'en fait, j'en ai beaucoup à l'intérieur. Mais en fait, vaut mieux le mettre à l'extérieur. Silicium, silicium. Ouais, en fait, c'est ça qu'il faut. C'est parce que je n'ai pas pensé à les mettre à l'extérieur. Ouais, faut que je les mette à l'extérieur. C'est pour ça, en fait. Parce que j'en ai trop mis à l'intérieur. Aluminium, magnésium. J'en ai trop mis à l'intérieur. C'est de ma faute. Faudrait que j'en sorte. Ce qui est logique, finalement. Allez, on va remettre dehors. Je vais en mettre là. C'est quoi, je vais en mettre... Je vais en mettre... je sais pas, genre ici devant. Ou pas. Ou je les mets dessous. Je trouve un truc un peu joli quand même. Tiens, bah là. Ici, là. Il y a toute une zone un peu sympa. Vas-y, j'en mets un, j'en mets deux, j'en mets trois. Ok. Et ça devrait aller plus vite maintenant aussi. Et je me demande si le plus intelligent, ça serait pas de détruire ceux que j'ai à l'intérieur. Quelques-uns. Genre là où j'ai les graines... les fameuses graines dorées là. Ça là. Celle-ci. La graine dorée, je la prends. Je vais déconstruire un peu. C'est graine dorée ça aussi, regarde. Graine dorée, comme ça je le fous dehors. Comme ça je le mets dehors. Là c'est une graine dorée aussi je crois. Ah l'inventaire, attends, ciseaux. Ouais ouais on a bien avancé. On a bien avancé. Il me manque de l'alu. Ah mais l'alu c'est pareil, j'en ai plus énormément. Il faudrait que j'aille en... Il faudrait que je fasse un stock d'aluminium. Et c'est des bouteilles d'eau qui va me manquer. J'en ai combien sur moi? J'en ai 2. 3, 4, 5. Ok, et normalement... Ok, vas-y, let's go. Je pense que ça devrait peut-être aller plus vite avec ces plantes-là dehors. C'est peut-être moi qui ai mal géré ma production. Et j'avais pas capté que ça me permettait d'aller plus vite. Du silicium, on doit en avoir par là de toute manière, j'ai pas besoin de retourner à l'intérieur. J'ai mon générateur d'algues là? Il est où? Je l'ai pas le générateur d'algues. Si? Ah j'ai le biolab déjà, il faut que je fasse le biolab, j'avais dit. J'ai le biolab. Ah si, ça y est. Ah si, punaise, oui, effectivement, je l'avais pas vu arriver. Super, merci. Voilà, ça va être bien. Enfin. Oui, merci. Je l'ai même pas vu arriver. Granulé de bioplastique et aubergine. Ok, super. Super. Bon, ça va faire du bien aussi. Ça va faire du bien. On va aller l'utiliser aussi. Je vais mettre ça au moins. Ouais, c'est bien à pouvoir avancer drastiquement là. Allez. Très bien. Donc VGTube, oui. VGTube, oui. Et il me manquera encore des petits trucs. Ok, je voudrais juste un dernier à la limite. Et il me manque quoi? Silicium et magnésium. Je dois pouvoir trouver ça. Bah regarde. Pff, excellent. Parfait, le jeu m'aime bien. Silicium, magnésium, excellent. Allez hop. On en fait un dernier ici. Et on va aller faire le générateur d'algues. Voilà. Merde, il est où? Là. Ok, super. Bon, ça c'est fait. L'oxygène devrait monter très vite maintenant. Beaucoup plus vite. Alors. Retournons à la casa. Je vais stocker à ce moment-là... Bah attends, tu sais quoi? Voilà. Glace. J'en ai plus. Et j'ai ça. Donc, il nous faut... On a dit que... Ici. Maintenant qu'on a la biomasse qui a bien augmenté, il nous faut super alliage. Oui, l'aubergine. Je crois que j'en ai là-haut des aubergines. Est-ce que j'ai des aubergines? Oh, me dis pas que j'ai pas d'aubergines. Oh, mais j'ai plein de graines d'aubergines, tu plaisantes? Oh, j'ai pas une seule aubergine, ça va me faire là. Non, mais tu te fiches chaud de moi. Voilà. Bonsoir à ceux qui débarquent. Hello. Bon, je vais en mettre quelques-unes ici. De toute façon, il faudrait qu'on se fasse un stock de tout et qu'on le mette... Tu vois, regarde, tout ça, là, il faut que je le récupère et que je le stocke dans des coffres. Parce que ça sert à rien de les laisser là si je les récupère pas, en fait. Il faut que je fasse un stock de nourriture. Alors. Fer. Voilà. Hop là. Pif, paf, pouf. Et on va mettre ça là. De quoi, Lucifer? Voilà, et là je mets stock nourriture. Nourriture, bah oui c'est mignon nourriture. Stock bouffe, voilà, comme ça on est bien. C'est Racine Ross. Ah oui, dans ce sens-là. Allez hop, ça c'est bon. Oh attends, ce que je pourrais faire, ça pourrait être sympa, c'est faire un... Oh, je sais pas. J'aurais pu faire un truc de... Un placard de chaque, ça aurait pu être drôle. Bon, tant pis. Écoute, là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. J'ai 15 en génération de nourriture, ce qui est pas mal. Ah mais j'en avais déjà stocké là des... Oh, regarde, mais incroyable. J'avais déjà... Oh mais j'y avais déjà pensé. J'y avais déjà pensé. Excellent. Il est pas si con le doudou. Bon, parfait. Du coup je vais en faire deux, attends. Ah mais je suis pas si débile. Finalement, on pourrait croire que... Mais non! Granulé de bioplastique, j'en ai ramené... Débris. 1, 2, 3. Ok. Et... Bah attends, tu sais quoi? Je vais tout faire. Je vais tout faire. Tu sais quoi? Je vais tout utiliser, je vais... Ah! C'est infernal. C'est vrai que on m'appelle Doudou dans Forza. Ouais, ouais. C'est vrai. Magnésium, super alliage. Ah, le super alliage, j'en ai peut-être plus. Magnésium, j'en ai besoin de 4. Oui, et ben on va aller chercher du super alliage. Allons-y. Et ben il m'en faut 3, donc allons-y. Let's go. Quel kiff ce jeu quand même. Quelle merveille. Alors, voyons voir. Bah, ça passe pas. Bah, je me suis blessé. Je me suis blessé. C'est pas grave, j'ai un jetpack, j'ai pas besoin d'utiliser mes jambes. Évidemment, Flowzer. Évidemment que je fais. Toutes les conférences seront disponibles sur la chaîne, comme tous les ans. Bien sûr. Bien sûr, tous les ans, je stream toutes les conférences. Bien sûr. Alors, je fais pas 15 tweets par minute pour poster le programme, mais oui. J'ai fait 2 vidéos pour en parler, j'en parle dans les Gaming News. Donc oui, j'ai pas mis en place de hashtag, hashtag confemb, ni de 15 tweets à la minute pour en parler, mais oui, je fais des conférences comme tous les ans. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Je vais passer par l'autre côté... En espérant trouver ça là-bas. Vas-y. J'avais stocké des trucs là-dedans ou pas? Ouais. Ah, mais très bien la graine. Excellent, excellent, excellent. Attends, je vérifie s'il n'y en a pas d'autres. On ne sait jamais. Oh là là, mais incroyable, il y en a d'autres. On aime, on aime, on aime, on aime, on aime. Excellent. Alors, bon, super alliage. Adonde esta. Eh bah oui, bah attends, avec toutes les conférences du Summer Game Fest, tu penses bien que je serai au rendez-vous, évidemment. Les annonces de jeux, les bandes annonces, la vie. Bien sûr. Évidemment. Comme tous les ans, comme tous les ans, vous pouvez compter sur moi. Ah, ça passe pas! Ça fait mal en plus. Ah, j'ai mangé une aubergine alors qu'il fallait pas la manger. Bon, bah j'en ai besoin de toute façon. Il faut bien. Bon, bah j'ai mangé mes aubergines. Voilà. Non, par contre, je trouve plus de super alliage. Ça m'embête un peu. J'ai tout récupéré. J'en ai pas stocké là-dedans par hasard. Si, si, j'ai fait un saut, mais... J'en ai fait un de saut. Mais apparemment il a pas voulu me le prendre. Comme de la dernière fois aussi. Je peux craft le super alliage? Ah ouais? Je l'ai pas vu. Avec quoi? Je peux le crafter? Ah merde, je l'ai pas vu. Avec quoi je peux le crafter? Ubisoft Forward, c'est le 10. C'est le 10 juin le Ubisoft Forward. Ouais, j'ai vu des chaînes de stream, ils font des pré-shows genre 6 heures avant et tout. Merci, c'est bon. c'est bon. La course au don, ça va, merci. Non, non. Nous, à la limite, nous on joue avant, etc. Mais on va pas faire un pré-show genre 6 heures avant, c'est bon. Pas déconner. Merci. Alors, en voilà un. Ah, tiens, tiens. Tiens, tiens. Intéressant. Bah, y'a rien. Bah, pas intéressant du tout. Mais bon, chacun fait ce qu'il veut après, hein, évidemment. Là, ouais, sur la table d'Iridium, je peux créer le super alliage. Cool. Vous savez à partir de quoi c'est ou pas? Bon, attends, j'ai ce qu'il faut, regarde, je récupère là. Je récupère là. Il faudra que je regarde. Je vais aller regarder de toute façon. De toute façon, il va m'en manquer un. Ouais, il va m'en manquer un potentiellement. Je regarde quand même ici. On sait jamais s'il n'y en a pas un qui traîne. On sait jamais. Là, ok, il y en a en face. Je l'ai vu. Bon, il y en a même deux là. Ah, je pourrais pas aller les chercher, là, ceux qui sont là, faut que je passe par l'autre côté. Ah mais ça passera pas là, c'est... Ça passe pas par ici. J'ai déjà tout récupéré ici. Ouais, il faudra que je fasse le tour. Ça c'est un truc que j'avais mis en place. Ah attends, ils sont juste en face. Par où je peux traverser? Là. Ça passe pas là, si? Non. Bon, et bah on va aller le crafter alors. Attends, je reprends de l'oxygène avant de partir. J'ai quoi là-dedans? Ah! Générateur d'algues T2. Super! Oh bah encore mieux! Ah oui, de l'engrais. Comment je fais de l'engrais? Je sais pas comment faire de l'engrais. Bon. Par contre, du coup, ça monte vite, effectivement. Là, avec, avec tout ce qu'on a mis en place. Ah, ça marche si je fais un, sprint et que je saute? J'avais jamais essayé pour voir. Peut-être, effectivement. Ouais, bonne idée. Logique, finalement. Finalement, somme toute assez logique. Bon, on ressort par ici. Ah, ça a de la gueule quand même. Ça aura plus de gueule quand il y aura de la végétation, mais... Alors, je vais aller voir à ce moment-là. Donc tu m'as dit que je pouvais en faire ici. Ah ouais, cool. Cobalt... Ah ouais, il faut de l'aluminium du coup. Et ouais. Cobalt, silicium, titane. Cobalt, silicium, titane. Cobalt, silicium, titane. Ok, de toute façon, il m'en manquait qu'un seul. Oui, alors attends. Parce que autant faire le T2 du coup, c'est mieux. À 350 d'oxygène par seconde, tu m'étonnes. Par contre, il me faut de l'engrais. L'engrais, j'en ai pas. Mais l'engrais, si je mets des plantes... Si je prends des... Je dois pouvoir faire de l'engrais. Broyeur. Ah, il me faudra poudre explosive. J'ai pas de poudre explosive. Et dans le recycleur. Peut-être dans le recycleur. Si je mets des trucs dans le recycleur, ça me fait pas dans l'engrais. Si je fais caca dans le recycleur. Ah, par contre, le recycleur, je l'ai peut-être mal mis. Je l'ai mal mis mon recycleur? Là... Peut-être que je l'ai mal mis. Attends. Oui. Attends, je vais mettre là. Oui, effectivement, c'est ça. Si je mets ça là-dedans, maintenant, ça va me donner des graines. Coucou. Ça va et toi, Lucie? Si je fais caca dans le recycleur, on est d'accord que ça, normalement, ça me donne de l'engrais. Pourquoi non? Si si je fais caca dedans, tu vois? Est-ce que ça serait pas avec le biolab? À mon avis, ça serait plutôt avec le biolab que je peux faire ça. Il me faut de l'osmium. Je pense que c'est avec le biolab. Je pense. Ce qui serait logique. On va faire le biolab. Attends. Ça doit être le biolab. Du coup. Il prend quel taille le biolab. Si je le mets là. Voilà, j'ai fait un biolab. Ok. Saurais-tu s'il y a un Crash Bandicoot 5? Bah c'est bien possible. C'est bien possible, puisque on en parlait il y a 2 jours. Il y a une... quand il s'appelle Toys4Bob a tweeté pour dire qu'il faisait un nouveau jeu. Donc c'est soit un nouveau Crash, soit un nouveau Spyro, je suppose. Alors, échantillon de bactéries. Ah, mais c'est là l'explosif. Fusée éclairante, mutagène. Ah, bah super. Manipulateur génétique. Ah, la poudre explosive. Mais excellent, enfin. Engrais T2, algues. Ah, il faut des algues, du coup. Comment je fais des algues? Ça peut se récupérer sous l'eau, les algues? Il me faut des algues, évidemment. Échantillon de bactéries. Ou alors c'est avec des bactéries. Non, je pense qu'il faut que j'aille sous l'eau et que je récupère des algues. Je pense. Je vais aller sous l'eau. On va aller voir. Ça serait incroyable. Attends, avant ça, il faut que je fasse pousser mes graines de l'Irma dehors. Avant ça. Avant ça, il me faut les graines de l'Irma. Aluminium. 2 aluminium. 2 aluminium. 2 aluminium. Et j'en ai plus d'aluminium. Bon, ça c'est un petit peu embêtant. Surplus. Écoute, je vais tout mettre là-dedans pour l'instant. Et oui, il faut que je fasse un générateur d'algues avant. Donc du coup, je peux pas faire l'engrais tant que j'ai pas mon projet générateur d'algues. Donc, il faut que je fasse mes générateurs d'algues. Évidemment, évidemment, logique. Évidemment, très logique. Du magnésium et l'aubergine. Magnésium, aubergine. Et on est bon, générateur d'algues. Bon, par contre, 2 secondes. Je voudrais en faire un deuxième. Cobalt, fer, silicium. Cobalt. Fer. Attends. On va en faire 2. On va en faire 3, ça sera mieux. Granulé. Attends. Granulé. Et oui, alors il me manquera une aubergine qui est là-haut. Aubergine. Ah, j'avais tout stocké là, quelle merveille. Ok, et par contre, j'étais en train de faire... il me faut le super alliage. Silicium, il m'en faut 3. J'ai pas regardé. 3 titanes, 3 d'alu. Oui, mais c'est l'aluminium que j'ai pas. C'est ce que je disais. Ah, crotte. Bon, tant pis, je vais pas avoir le choix. Punaise, j'ai pas d'alu. J'ai pas d'alu. Non. Non. Non, ici. Bon bah attends, sinon je vais faire directement... je vais faire le générateur d'algues déjà. Non, me spoilez pas, me spoilez pas, ne backseatez pas, ne spoilez pas. S'il vous plaît. Non, laissez-moi découvrir, merde. Bon, mon générateur d'algues, je suppose que c'est sur l'eau. Voilà, ici, là. C'est stylé. Croissance 2%, d'accord. Bon, il me faut de l'aluminium de toute façon. Je n'en ai plus. Donc il faut qu'on aille se faire un stock d'alu. Il me faut un stock d'alu. D'accord, je vais tout mettre dans surplus pour l'instant. Et je vais d'abord aller manger un truc. Non, ne me spoilez pas, s'il vous plaît. Laissez-moi découvrir. Bon, allez. On va aller chercher de l'aluminium. Le mus, ça va être par là. Je crois qu'il y en avait pas mal ici. Je crois. Je crois. Bah non, mais le but de ce jeu-là, c'est justement de découvrir. Si vous me spoilez tout et que vous me faites du backseat, ça sert plus à rien. C'est dommage. Tu vois ? Donc non, laissez-moi découvrir. Ça serait dommage. Après, ouais, je pensais qu'il y en avait par ici. Je vais checker quand même à l'intérieur d'ici quand même. J'avais laissé des trucs là, tu vois. Ah, j'avais pas laissé d'aluminium. Hein. J'avais laissé aucun alu ici. Tiens, bah regarde. Non, c'est du cobalt du coup. Où est-ce que je vais pouvoir me choper de l'aluminium? Est-ce que j'en aurais pas de l'autre côté là-bas? Personne m'a... Bah parce que je t'ai déjà répondu en fait, mais que t'as pas écouté la réponse. Et je t'ai répondu 2 fois en plus. Donc donc bon voilà. Alors... de l'aluminium. Après peut-être que je pourrais en retrouver là-dedans. Est-ce que j'en aurais pas laissé parce que j'en avais déjà? Je vais retourner vite fait à l'intérieur. Merci Liascan, merci. Ah, il y a de l'eau qui commence à arriver ici du coup. Déjà on va aller choper de l'oxygène dans la petite baraque que j'ai faite. Et je vais être checké à l'intérieur. Ah. Tiens, ici. Ah ben voilà, regarde. J'en avais laissé derrière moi. Hein. J'en avais laissé derrière moi. Bon, voyons voir. Est-ce que potentiellement... il n'y en aurait pas par là? Je peux même pas accéder à ce truc là. Comment je pourrais accéder à cette merde? Caisse de stockage. Oui, il y a quelque chose à l'intérieur, je sais qu'il y a quelque chose à l'intérieur, c'est pour ça que je suis là. Oh, je peux pas y aller, mais c'est une blague. C'est une blague. Pourquoi je peux pas? Mais fichtre. Et fichtre, je peux pas. Ah bon, je peux pas, super. Agace. Tiens, graine de l'Irma, super. Bon, écoute, je récupère tout ça. Tout ça, je pourrais le choper plus tard. Ah! Il me faudra un noyau à mettre dedans. Je pourrais le faire plus tard, ça. Ouais, j'avais un coffre au bout, je l'avais déjà récupéré, je crois. Ah bah, tu vois, non, j'avais pas tout pris, mine de rien. Donc autant le prendre. Bah écoute, j'ai pas mal d'aluminium, donc c'est bien. Il m'en faudrait plus que ça, de préférence. J'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres choses dans cet endroit. J'ai l'impression que j'ai un peu fait le tour. J'ai un peu fait le tour ici. Bonne soirée. Et bonjour à ceux qui débarquent, bienvenue. Ok, bon, j'ai pas mal de fer, mais ça me servira pas. Je vais le laisser là pour l'instant. Je pensais pas que j'avais laissé autant de choses derrière moi ici. L'aluminium... Est-ce que j'ai un autre truc ici, là, pour rentrer dedans? Peut-être? Est-ce que j'ai autre chose pour rentrer à l'intérieur? Attends, je peux pas rentrer à l'extérieur, tu vas me dire? Absolument, Lucifer, ouais. Ah, il est déjà 18h30, ça passe vite quand même. Ça passe vite. Bon, bah, l'aluminium, j'en ai déjà, c'est déjà une bonne chose. Je vais aller voir par là s'il n'y a pas quelque chose quand même. Parce qu'ils nous ont pas caché un petit truc. Ah, il y a une caverne là-bas, j'ai l'impression. On va aller voir. Tiens, regarde, ça, c'est pas une caverne, ça? Non. Peut-être par là. S'il doit y avoir quelque chose. Bah ouais, l'ombre on a bien vu, ouais, clairement. S'il doit y avoir quelque chose par là. C'est pas genre un mur à faire péter avec un explosif à tous les coups. Ah, ça doit être ça, regarde. C'est ça. C'est un mur à faire péter avec un explosif, ça. M'en doutais. Bon. Écoute, je vais rentrer avec ce que j'ai d'aluminium. Puis à ce moment-là, on va terminer notre épisode d'ici, puisque de toute façon, il y a la conférence qui n'a pas tardé à débuter. Je vais repasser par là, peut-être. Je crois que j'ai un truc d'oxygène là. Ah, c'est pas là que je vais trouver de l'aluminium. Bon. Quelqu'un sait... J'ai perdu ma question, on va rien tout commencer à Lucifer. J'ai perdu ma question, bon tant pis. Bah qu'est-ce que quelqu'un sait? Explosif uranium, métaux, la fusion. Bah ouais, le noyau à fusion, je pense que ça va être utile pour utiliser là dans le vaisseau. À voir ce que ça nous donnera. Putain, j'ai perdu ma question, c'est terrifiant. C'est terrifiant, j'ai eu une question et elle a disparu. Ça c'est une grotte ça. Non, je vais me faire avoir encore avec une ombre. Oui. Oui, je me fais encore avoir avec une ombre. Bon, bah super. Bon, là, ça va se remplir d'eau, tout ça, je pense, à un moment. Je vais quand même aller au fond, tout là-bas, pour voir s'il y a quelque chose. Tiens, super alliage. Je prends... Pff, ouais, mais en fait, le plus intelligent, ça serait de tout prendre. De le dégager pour être sûr de pas revenir dessus. Oh là, c'est quoi? C'est un morceau de vaisseau ça? C'est un morceau de vaisseau ça? Dis donc. Oui, 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 je crois bien. Oh, intéressant tout ça. Attends. Intéressant, intéressant, intéressant. Alors, pour le coup... Voyons voir. Oui, 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 oui. Intéressant. Ah bah c'est même une navette complète. Très bien. C'est une navette complète avec un message. Collecteur privé hors de mission reconnaissance. Un nombre normal de vaisseaux du Vierge et compagnie ont disparu dans le secteur. Enquêter dans le secteur, trouver les raisons pour lesquelles chercher des anciens. D'accord, très bien. Alors qu'est-ce que t'as sous ton siège? Une puce, évidemment, ça c'est bien. Ça c'est bien. Qu'est-ce que t'as là-dedans? De l'eau, je bois. Graines, 400%, 300%, 200%, je prends. T'as pas autre chose sous le siège, Bernard? Non. Sympa son petit vaisseau quand même. Bon, il a eu des petits soucis, mais sympathique. J'ai bien fait d'aller par ici, du coup. Je vais regarder s'il n'y a pas autre chose par... Oh, dis donc. Non, j'avais l'impression qu'on pouvait peut-être grimper. Ah, il s'est bien écrasé au fond du canyon en plus. Hein. Bon, Bernard, il a dû s'enfoncer avec son squelette dans le sable, à mon avis. Il n'est plus de ce monde, notre cher ami. Oxygène. J'en ai pas. Parce que je suis dans la merde. Oui. Oh, il y en a une caverne, là. Attends, je vais construire un truc. J'ai du temps. J'ai du temps. Pas trop, mais j'en ai un peu. J'ai pas de fer. Parce que j'ai largué tout mon fer. Oh là là, faut que j'aille vite. Il faut que j'aille vite. Il faut du fer encore. Vite. 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 Dépêche-toi. Dépêche-toi. C'était short. Ok. C'était pas gagné. Ok, alors voyons voir. Ah, j'étais vraiment juste à côté, hein, je l'avais même pas vu. Hein. Effectivement, j'étais... Oh, ah oui, d'accord. Il y a carrément des choses là. Oh, bah voilà, regarde, de l'engrais et de la poudre explosive. Excellent. Oh, bah non, il y a des trucs incroyables là-dedans. Mais incroyable. Je prends, je prends, je prends. Je voyais la mort de mon côté. Oui, mais toi, tu vois toujours la mort pour mon personnage et moi-même. Je sais bien. Ah bah alors là, par contre, on a fait le plein. Ça, c'est cool. C'est très très cool, ce petit coffre qu'on vient de se choper, là. Parce que du coup, j'ai réussi à choper mon engrais qui va me permettre de faire ma construction aussi. Et de me faire le T2 pour aller plus vite. On va peut-être terminer là-dessus aussi. Quelle heure il est? 37. On a 23 minutes avant la conférence. Donc c'est pas mal. D'ailleurs, attendez, avant même qu'on fasse ça, je vais changer le nom du stream. Conférence, nouveau jeu présenté. Voilà. Comme ça au moins, je me mets en just chatting tout de suite. Comme ça au moins c'est fait. Et... non, special event. Et puis on se mettra sur le truc juste après. Événements spéciaux. Boum. Voilà, comme ça c'est changé pour le stream, on est bien. Ok. Donc reprenons vite fait, retournons à la base. Et faisons notre générateur d'algues T2 aussi. Ça va me permettre d'aller un peu plus vite. Je vais me permettre également, j'éteins ma cam pour l'instant. Comme ça je la réserve un petit peu. Enfin mon appareil photo d'ailleurs. Ça va le réserver 2 minutes. Ok, let's go. Alors, est-ce qu'on a quelque chose par là ou est-ce que je peux juste couper pour aller plus vite? Ça commence par Guerrilla Games. Qui va avoir pas mal de choses, à mon avis, à présenter sur tous les supports, d'ailleurs. Guerrilla Games, ils ont vraiment tous les supports à présenter. Allez, hop. Ah, je peux même mettre là des générateurs d'algues, tu vois. Alors. Voyons voir, voyons voir. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a récupéré pas mal de choses, dont l'aluminium dont j'avais besoin. On a dit que... pour faire le T2, et ben on a tout ce qu'il faut pour faire le T2 déjà dans mon sac, mais c'est incroyable. Bah attends, j'y vais tout de suite. Regarde, on va y aller immédiatement. Ah oui, ça se développe bien pour le Steam Deck, ouais. Ah putain, c'est stylé. Ah, c'est ultra stylé. Ah ouais, non, franchement, c'est trop stylé ce qu'on est en train de faire. Ah ouais. Attends, je vais le mettre, du coup, je vais le mettre là. Boum, le T2. 100% de la croissance. Et comment ça se passe, du coup? Alors, c'est en 100% de croissance d'algues. Comment je les récupère? Comment je les récupère? Ah, faut que j'aille sous l'eau, évidemment. Et ouais, logique, logique. Je me demandais si je pouvais le récupérer, genre, à l'intérieur de ça, tu vois. Croissance 100%. Bah ça va revenir après je suppose. Ok. Ok. Attends, je rallume. Je rallume pour l'instant. Ça sera bon. Donc, je peux retourner faire un peu d'engrais peut-être pour en faire un autre. Caméra. Merci. Donc on a dit que... il me fallait de l'engrais, il me faut mes 2 aubergines pour faire de l'engrais. Très bien, décidément il en faut des aubergines. Décidément. Décidément. En même temps j'en ai fait pas mal aussi. J'en ai peut-être pas mis assez à pousser pour le coup, vu tout ce qu'on a besoin d'aubergines. Alors, il doit être là. Ok, engrais, c'est fait. Et ensuite, il me faut... il me manque un super alliage et un granulé. Est-ce qu'il m'en reste ou pas? Oui. Super alliage, on avait dit qu'il me fallait... silicium, fer, cobalt. Silicium, fer, cobalt. Ah, j'ai pas pris le fer. Il me manque le fer. Ah, c'est le titane que j'ai pris. Ok, super alliage, c'est fait. Ensuite, du coup, il me faut juste du magnésium en plus. Ok, et je vais aller mettre mon générateur d'algues sur l'eau également. Écoute, on est plutôt pas mal là. On est même vraiment plutôt bien. Je vais le mettre ici là. Je vais le mettre là. D'ailleurs, je vais le mettre là, ici. Boum. Énergie insuffisante. Et évidemment, vu tout ce que j'ai placé, ça ne m'étonne guère. Barre d'aluminium, super alliage. Il faut que je fasse 3 alliages. Ouais, ça m'étonne pas. C'est vrai qu'avec tout ce qu'on a mis, je pensais que ça suffirait, mais pas du tout. Donc on a dit que pour les alliages, aluminium, est-ce que j'en ai 3 sur moi? Oui. Donc on a dit 3 de fer. De fer, la barre de fer. Ok, ensuite 3 de cobalt. Est-ce que j'en ai mis là? Oui. Oui. J'ai la ref, bah j'espère. C'est quand même une ref méga connue. 3 magnésium, 3 silicium. 3 magnésium. Ouh, j'ai pu en avoir beaucoup, dis donc, de ça. 3 magnésium, 3 silicium. Je vais pas avoir assez pour en faire 2. Si, 2 je peux. Ah, il m'en manque un encore. Sachant qu'il va me manquer quoi? Juste du titane? Sérieux? Bah attends, j'en ai du titane. Et bah voilà, super. Il me manquera juste la barre d'uranium à la limite. Et bah let's go, c'est combien? 9. 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9. Non! J'en ai que 6, 7. J'en ai que 7. Punaise. Bah attends, il me manque combien en énergie? Au pire du pire, il me manque 23 d'énergie. 23 d'énergie. Puis là, ça suffira pas le panneau solaire. Je vais en faire 2. Je vais faire 2 panneaux solaires pour essayer de rattraper. 4 de cobalt. Ça sera déjà ça. De toute façon, j'ai pas trop le choix. J'ai pas trop le choix pour l'instant. Est-ce que j'ai suffisamment d'alu? Oui. 2 de fer. J'ai pas suffisamment de magnésium. Il va me falloir un de magnésium en plus. Et 2 de silicium. Silicium, 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 ici. Ok. Alors attends, ce qu'on va faire, c'est que je vais boire un petit peu. Je vais juste manger un truc également. Voilà. Et on va faire... à ce moment-là, on va les mettre là-haut. On va mettre les panneaux solaires ici. Voilà, genre là. Boum. Et il m'en faut un deuxième pour que ça reparte. Oh, ah, ce bruit fait du bien. J'aurais peut-être récupéré l'eau aussi. Parce que sinon, on est un peu embêté. Bon, bah nickel. Bah écoutez, pour l'instant ça ira. On verra demain à ce moment-là pour aller se faire le plein de plein de petites choses qu'il nous faut. C'est-à-dire faire surtout le plein d'aluminium. Et on a dit de... Attends. Bah si, je peux le faire. Attends, engrais, magnésium. Mais non, j'en ai plus, c'est de l'engrais qu'il me faut. Il me manquera de l'engrais. Bon bah écoute, ça sera pas mal. Ça sera pas mal pour aujourd'hui. Ma foi, on a bien avancé, donc je suis assez content. On fera la suite demain, mais là je suis assez content.